Bonjour à ceux qui arrivent. Voilà. Bonjour tout le monde. Est-ce que dites-moi juste rapidement si vous m'entendez, ce que je suppose. Hop, je vais enlever tout ça. Alors, OK. Donc, on reviendra sur le conseil parce que je pense que le proviseur vous a ouvert TSO. Et donc, vous pouvez prendre connaissance des avis du conseil de classe. Donc, les délégués étaient là. Je pense que vous avez un petit peu expliqué à vos différents camarades ce qu'il en était. Globalement, le conseil s'est bien passé. Je suis. Ouais, c'était prévisible, hein. Vous êtes travailleur, vous avez globalement fait des progrès, donc globalement c'était bien. Voilà, et donc je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. OK? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais corriger l'exercice 3. Donc cet exercice 3, on est dans le chapitre 13, c'est-à-dire le dernier chapitre de mécanique, sur le principe d'inertie. D'accord? Et dans cet exercice, il y a une petite particularité, c'est que vous avez des forces avec des angles. Et donc, je suis en train de faire la même chose avec mes premiers STI. On va se retrouver avec la nécessité d'utiliser des relations trigonométriques classiques. Donc, je fais un petit schéma. Voilà la péniche. Voilà les bords ici du système. Et il y a donc deux forces qui sont exercées par des chevaux. Je ne sais pas dessiner un cheval, donc je fais ça. Oui, le programme de physique est quasiment terminé là. Donc, tac. Je précise les angles. Donc ici, 45 degrés. Et donc si ici il y a 45 degrés ici, vous avez compris qu'ici il doit y avoir un angle droit, forcément. Okay? La valeur de la force, je vais la mettre d'une couleur. La valeur, je vais dire que la force, ici on a F1, donc vecteur. Ici on a F2. F1, F2. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Pour tirer une péniche sur un chemin de halage, deux chevaux exercent chacun une force d'intensité 900 newtons avec une direction de 45 degrés par rapport au sens de déplacement. Les forces de frottement du halo et à l'air sont regroupées sous une même et seule force grand F dont la direction est de sens opposé au mouvement. Donc ça veut dire qu'il y a une autre, je vais le faire en noir, une troisième force qui est comme ça. Donc ça c'est F. D'accord? On est d'accord, ça c'est le sens du mouvement. OK? Donc, première question, qu'est-ce qu'on vous dit? À quelle force est soumise la péniche? Donc vous voyez qu'on vous dit représenter ces forces sur un schéma vue de profil sans souci d'échelle. Donc vue de profil, pourquoi? Parce que Parce qu'il y a donc quoi? Il y a donc F, F1, F2. D'accord? Ça, c'est les trois forces qui viennent de ce schéma-là. Et si je représente l'ensemble, donc la péniche en vue de profil, voilà en vue de profil, donc elle est sur l'eau. Y a-t-il des forces en plus? Ben oui, bien sûr qu'il y a des forces en plus. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Il y a le poids vertical vers le bas. Et toujours le même type de raisonnement. S'il n'y avait que le poids, la péniche s'enfoncerait dans l'eau. Elle est à l'équilibre. Donc il existe une autre force qui s'appelle la poussée d'Archimède, que je représente vers le haut et que je note par la. Ouais, c'est ça, Francisco, par la lettre pi. Donc quelles sont les forces appliquées à la péniche? F1, F2, F, pi et P. Donc on a F1 plus F2 plus F
plus P plus Pi. D'accord? Donc voilà toutes ces forces. Alors, je vais préciser un truc. Vent SVT Céline. Pourquoi il y a Céline qui est là? Ah! Bonjour Céline, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pour SVT, oui, c'est vrai, il a raison, Amaury. Et tu, j'espère que tu n'es pas malade, en tout cas. Céline, la trafiquante. Ah là là. Alors, quelle est la particularité du truc? Ben, la particularité du truc, c'est que P et Pi sont des forces verticales et ces trois-là sont des forces horizontales. D'accord? Oh, vous venez d'arriver au lycée, tu suis sur ton téléphone. Ça, c'est puissant, mais Madame Touche ne va pas être contente si tu continues à assister au live pendant le cours de SVT. Hein. Donc, force horizontale, force verticale. C'est tout ce qu'on vous demande. Petit 2. Lorsque la péniche prend de la vitesse, ses forces... Ah, ben, il y a l'ULA aussi. F, Francisco, c'est les frottements. C'est ce qu'on dit dans l'énoncé, d'accord? Donc F égale frottement. Bah, de toute façon, les filles, on se retrouve tout à l'heure, hein, quand j'ai fini avec eux, je prends mon vélo et j'arrive au lycée. Donc maintenant, deuxième question, si la vitesse de la péniche augmente, si V augmente, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que le mouvement, il est rectiligne, mais pas uniforme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que le principe d'inertie n'est pas vérifié. D'accord? Si le principe d'inertie n'est pas vérifié, ça veut dire que les forces ne se compensent pas. Les forces ne se compensent pas. Petit 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? La péniche est maintenant tirée par un bateau, une construction géométrique. Quoi? La péniche est maintenant tirée par un bateau. Par une construction géométrique, représentez la force que le bateau doit exercer pour que la péniche conserve le même mouvement. Déterminez l'intensité de cette force. Ah, donc là, on arrive à ce que je pensais y arriver d'une autre manière, mais on va arriver à ce qu'on appelle des projections. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous reprenez votre schéma, vous comprenez bien que la seule partie de la force qui est efficace pour déplacer le bateau, c'est la force ou la composante de la force, c'est-à-dire sa projection en fait, qui se retrouve dans la projection ou sur la projection qui correspond au mouvement. Donc, la composante de F1 sur la ligne en pointillé va être la composante de F1 qui va servir à faire avancer le bateau. C'est-à-dire qu'en fait, si je le mets comme ça, vous avez une composante ici, F1, et vous avez une autre composante, je vais le faire en bleu, tiens, hop, une autre composante ici. Alors, ça c'est F1 perpendiculaire, et l'autre, on va appeler ça F1 parallèle. D'accord? Ce qui veut dire, regardez, si je fais un petit zoom, donc, j'ai l'avant du bateau, j'ai le pointillé, F1 se retrouve comme ça, voilà F1. Tout ce que je dis sur F1 est valable pour F2 aussi. Hein. J'ai donc dans la direction du perpendiculaire au mouvement F1 que j'appelle F1 perpendiculaire, et composante qui va permettre au bateau d'avancer, c'est F1 parallèle, et l'angle ici de 45 degrés. D'accord. Donc, des forces comme ça, il y en a deux. Alors, je le dis comme... Quelle est la comment va-t-on trouver F1 perpendiculaire et F1 parallèle? Comment on les détermine? Ben, on va les déterminer avec ce que vous avez vu l'année dernière, dont j'ai déjà un petit peu parlé. C'est-à-dire ce qui s'appelle de la trigonométrie. Trigonométrie. C'est-à-dire, en trigo, vous avez trois fonctions. Moi, il y a les deux principales qui m'intéressent, c'est le cosinus
de 45 degrés et le sinus de 45 degrés. Vous avez dans votre formule là que tout le monde me récite à longueur de journée, enfin en tout cas en classe de première, SOHCAHTOA. D'accord ? Bon, bref, la tangente ne m'intéressera pas, aujourd'hui en tout cas. Donc je vais exprimer le cosinus de 45, l'angle il est là. Le cosinus, je vous le rappelle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Quel est le côté adjacent ? Le côté adjacent à l'angle, c'est F1 parallèle. Donc F1 parallèle divisé par l'hypoténuse F1. Et pour le sinus, c'est F1 perpendiculaire divisé par F1. D'accord ? Donc ça veut dire que chaque cheval tire F1. Donc l'un s'appelle F1, l'autre s'appelle F2, c'est-à-dire en clair 900 newtons. Seul F1 parallèle contribue, je l'écris en toutes lettres, hein, contribue au mouvement du bateau. Seulement F1 parallèle. D'accord ? Donc ça veut dire que il va falloir que je détermine F1 parallèle. Vous comprenez bien qu'F1 perpendiculaire ne sert à rien pour mettre le bateau en mouvement dans le sens du canal. F1 perpendiculaire aura tendance à tirer le bateau vers la berge, mais comme l'autre cheval tire dans l'autre sens, ça explique que la péniche ne se déplace pas perpendiculairement à l'axe du canal. Comment, à partir de là, on trouve F1 parallèle ? Ben, on va dire que F1 parallèle, c'est F1 fois cos 45. Donc, F1 parallèle égale F1 cosinus de 45. 45 degrés, hein. Je pense que tout le monde est d'accord. Par un raisonnement rigoureusement le même, je peux dire que F2 parallèle est égal à F2 cos 45. On est d'accord. Donc, ça veut dire que globalement, les deux chevaux tirent combien ? Ben, tirent F1 plus F2. Donc, les deux chevaux tirent F1 parallèle plus F2 parallèle. C'est-à-dire, alors, cos 45 fois F1 plus F2. C'est juste pour des histoires d'obturation. Seulement, F1 et F2 valent combien ? Ben, tous les deux valent, regardez, c'est marqué ici, tous les deux valent 900 newtons. Conclusion, les deux chevaux tirent quoi ? Ben, ils tirent F1 plus F2, ça fait 2F1 cos 45 degrés. Donc, un cheval tire ça, l'autre cheval tire ça, on fait ça, F1 parallèle plus F2 parallèle, F1 et F2. Alors, je l'écris ici hein, pour que vous compreniez, parce que si vous regardez la vidéo, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il écrit ? Ben, parce que F1 égale F2 égale 900. Donc, comme les deux forces ont exactement la même intensité, on peut très bien remplacer F1 et F2 par 2F1, par exemple, ou 2F2, hein, c'est pareil. Ce qui veut donc dire que les deux chevaux exercent une action mécanique de quelle intensité ? Ben, 2 fois 900 fois cos 45 degrés. Alors, il faut faire attention, il faut que votre machine soit en mode degré. Donc, moi, je suis en mode degré, c'est le petit dé qui est là. Donc, je fais cosinus de 45 fois 2 fois 900, ce qui me fait 1272,8. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que si on veut remplacer les deux chevaux par un bateau, il faut que ce bateau exerce, on va prendre une autre feuille, non pas 1800 newtons, mais 1272. Donc c'est là que vous comprenez qu'en fait, si je refais, alors je vais imaginer deux trucs, hein. Donc je fais mon bateau, je vais faire les deux cas. Donc ici, il y a un autre bateau devant, qui tire, et là il y a les deux chevaux qui sont sur le côté. Les deux chevaux exercent une force
qui est dirigée comme ça. Le bateau exerce une force qui est dirigée comme ça. Chaque cheval tire à raison de 900 newtons. Ça veut dire que les deux chevaux ensemble, ils tirent à raison de 1800 newtons. OK ? Seulement, il se trouve que la composante horizontale, donc je projette ici et je fais deux fois ça, ça fait 1273 newtons. Et donc, le bateau, pour avoir le même effet que les deux chevaux, il faut qu'il exerce 1273 newtons environ. OK ? Quoi, non, c'est pas des newton-mètres, hein, Titouan. C'est des newtons. C'est pas un couple, hein. Il n'y a pas de mouvement de rotation, là. Hein. Ils exercent une force. Et je comprends pas, ton, c'est pas très équitable pour un véhicule. C'est pas du couple, c'est pas du tout ça, là. C'est juste une force. OK ? C'est juste une force. Ça veut dire que lui, il tire à raison de 900 newtons. Alors, j'ai pas capté ce que tu veux dire, Tito. En tout cas, ce que je veux vous expliquer, c'est que ça, 900 newtons, c'est comme si on avait mis une poulie au bout avec un poids et qu'on suspendait 90 kg. On peut le dire comme ça. 900 divisé par 10, à peu près 90. Donc, c'est comme si on tirait de 90. OK ? Après, un couple, oui, si tu veux dire que 1272 newton-mètres de couple, c'est pas équitable, oui, c'est énorme, c'est clair. C'est ça que tu veux dire, d'accord. Donc, chacun des deux bateaux, des deux chevaux, pardon, tire à raison de c'est comme s'il tirait de 90 kilos. Bon, on peut mettre en mettant des gros guillemets, ça fait ça. Le bilan, c'est que les deux ensemble, ça fait 900 plus 900, exerce 1800 newtons. Or, sur les 1800, il n'y en a que 1273 qui servent à faire aller le bateau dans l'axe du canal. Conclusion, il vaut mieux avoir un bateau qui tire directement dans l'axe plutôt que d'avoir être obligé d'exercer 1800 newtons, c'est-à-dire qu'il faut les nourrir les chevaux, ils se fatiguent, etc. Alors que là, on a une efficacité qui est beaucoup plus grande puisqu'on n'exerce que la force nécessaire. D'accord ? Donc voilà ce que ça veut dire. Vous comprenez que, et je le rajoute ici, si le mouvement est rectiligne et uniforme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les forces se compensent. Si les forces se compensent, on va appeler ça FM, force motrice. OK ? Donc, j'enlève le vecteur, puisqu'un vecteur ne peut pas être égal à un nombre. Dans l'autre sens, il y a les frottements. Frottement de l'air, frottement de l'eau. Ici, pareil. Donc, si le mouvement est uniforme et que les forces se compensent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les frottements plus la force motrice, ça doit être égal au vecteur nul. Ça veut donc dire que les frottements valent 1273 newtons, mais dirigés dans l'autre sens. C'est bon ? T'es compris ? Voilà, bon, c'est un petit peu, je ne veux pas dire compliqué, mais ah, c'est un petit peu complexe, surtout à cause de l'histoire du cosinus. Voilà. Donc voilà pour le numéro 3 que vous avez fini. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à le finir. Si c'est le cas, tant mieux. Eh ben, si ce n'est pas le cas, tant pis. J'espère que vous avez en tout cas compris ma correction. Je passe à la suite. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'exercice 4. Alors, qu'est-ce qui me dit l'exercice 4 ? Le ventriglisse, c'est une discipline qui consiste à s'élancer sur une bâche recouverte d'eau savonneuse. Bon, ça, vous l'avez peut-être déjà fait dans un jardin. On arrose ça avec le tuyau d'arrosage et on glisse et l'eau minimise les frottements et donc vous glissez sur une distance relativement longue. Il existe une fédération française de ventriglisse créée en juillet, juillet 2018, dont l'objectif un peu loufoque est d'en faire une discipline olympique en 2024. Ouais, pourquoi pas ? Olivier, dont la masse est de 70 kg, M égale 70 kg, s'élance avec une vitesse initiale de 5 mètres par seconde sur une piste rectiligne dans le référentiel terrestre. Les frottements de la bâche sont négligeables. Pas de frottement. Attention, ça c'est super important. Hein. Ouais, mais bien sûr qu'ils n'y arriveront jamais. Vous voyez ça, discipline olympique ? Non mais oh. Et puis, ils vont faire le pistolet nerf aussi en discipline olympique.
De shooter au nerf, ça sera discipline olympique. Oui, ben, il faut mettre des cailloux dans la poche, Titouan, si tu veux faire plus que tes 50 kilos tout mouillé. Alors, je continue. À quelle force est soumis Olivier? Alors, première question. Vous imaginez le bonhomme, hop, avec ses jambes et les bras en avant, qui glisse. Voilà la vitesse. D'accord? Alors, Francisco, il est soumis à son poids, oui. Donc le poids vertical. L'élan. Qu'est-ce que c'est que ce truc, l'élan? L'élan, tant qu'il est sur le sol et qu'il prend appui sur le sol, effectivement, il exerce une force sur le sol. Mais dès qu'il se contente de glisser, il n'exerce plus de force. L'élan, ce n'est pas une force, c'est une vitesse. Ça se traduit par une vitesse. Donc, ce n'est pas l'élan, la deuxième force importante. C'est le fait que votre bonhomme, là, futur champion olympique, au lieu de, s'il était soumis qu'à ça, il s'enfoncerait. Donc, il est soumis à quoi? Il est soumis à la réaction du sol. Donc, quelles sont les forces auxquelles est soumis votre je sais pas quoi, là, sportif, hein, on va dire ça comme ça, même que ça fasse rigoler, c'est que P plus R est égal au vecteur nul. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe d'inertie est vérifié. Donc là, je réponds à la question 2. Bon, représenter 1 cm 200 newtons, on va écrire P, hein, donc P vaut quoi? P vaut 70 kg fois 9,8, c'est-à-dire 70 fois 9,8, 686 newtons. Donc on vous dit 1 centimètre, c'est-à-dire que P fait 3,4 centimètres et R fait aussi 3,4 centimètres. Donc on représente, on trace deux vecteurs verticaux, l'un vers le haut, l'autre vers le bas, chacun de 3,4 cm de long. Que peut-on en déduire de la trajectoire? Ben, si les forces se compensent, le principe d'inertie est vérifié, donc le mouvement est rectiligne et uniforme. Donc trajectoire rectiligne, mouvement uniforme. D'accord? Donc ça c'est le petit 3. Et petit 4, qu'est-ce qu'on vous dit dans le petit 4? Que se passerait-il si la piste est infinie? Mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'arrête jamais. C'est le principe. D'accord? Il ne s'arrête jamais. Est-ce que c'est réaliste? Pas réaliste du tout. Ça veut dire quoi, pas réaliste? Ça veut dire que il y a des frottements et donc le mouvement est rectiligne ralenti. Et donc le principe d'inertie n'est plus vérifié. Principe inertie pas vérifié. Oui, frottement, tous les frottements, mais ce n'est pas tellement l'air qui joue là, c'est les frottements avec le sol, avec cette espèce de bâche plastique. Parce que vous avez beau mettre de l'eau, mouiller le truc pour minimiser les frottements, de toute façon, il y aura des frottements. Donc, il s'arrête. Et il s'arrête pas sur 40 mètres, il s'arrête sur quelques mètres, 6 mètres, 8 mètres, 9 mètres. Oui, et puis en plus, c'est pas possible de faire une piste infinie. Donc ça tombe bien en fait que le principe d'inertie soit pas vérifié. Exercice 5. Bon, on approche tout doucement de la fin de l'exo, là, enfin du chapitre, c'est bien. Descente en parachute. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Un parachutiste saute sans vitesse initiale d'un hélicoptère en vol stationnaire. Après quelques secondes de chute libre, donc là, on a déjà fait un petit télé sur le parachute, vous vous rappelez? C'est tiré d'un truc avec. Comment ça s'appelle? C'est pas sorcier, je crois. Mais oui, Titouan, mais c'est justement ça. Les frottements sont négligés. Ça voudrait dire que
tout ça, donc c'est pas possible, donc il y a des frottements, donc l'hypothèse de départ est fausse. C'est une manière de dire, en poussant le raisonnement au bout, que s'il s'arrête jamais, dans la réalité, tout le monde le sait qu'il s'arrête. Donc ça veut dire qu'une des hypothèses qui a permis de faire le raisonnement est fausse. Quelle était l'hypothèse qui est fausse? Le fait qu'on a négligé les frottements. En fait, ils ne doivent pas être négligés. Exercice 5, donc je reviens là, qu'est-ce qu'on vous dit? Les frottements dus à l'air sur la toile s'expriment par une force opposée au mouvement dont la valeur est proportionnelle au carré de la vitesse. F, force de frottement, K, le coefficient, V, la vitesse. Alors, donc vous imaginez votre bonhomme qui est avec son aile, d'accord? Quelles sont les forces? Alors, si je représente les forces, la question n'est pas posée, mais j'y réponds. Le poids. Et naturellement, pas au départ, mais au bout d'un certain temps, il va y avoir une force qui va s'opposer au poids, qui va être, et je la représente à partir de l'aile, les frottements. Alors, cette force de frottement, au début, elle est faible, et elle va grandir jusqu'à être égale au poids. Quand elle est égale au poids, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la vitesse, si les deux se compensent, va être constante. On a déjà vu le truc, donc je réponds directement. Différentes phases du mouvement. Alors, vous avez combien de phases? Alors, moi, je vais découper ça en trois phases. Une, voilà la première. Voilà la deuxième. Et voilà la troisième. Donc, ça, c'est la phase 3. Ça, c'est la phase 1, phase 2. Qu'est-ce que la phase 1? Donc la phase 1, c'est jusqu'à environ 12 secondes. Donc c'est, si vous regardez, la vitesse ne fait qu'augmenter. Donc accélération du parachutiste. Voilà. Il accélère, jusqu'à une vitesse qui est grande, et ensuite, vous voyez qu'il ralentit. Alors, pourquoi il ralentit? C'est la phase 2. C'est entre 12 et 16. Donc, on va mettre T inférieur à 16, supérieur à 12. Donc là, ralentissement rapide. Pourquoi, d'après vous? Ralentissement rapide. Bah, tout simplement parce que il est en train d'ouvrir son parachute. Donc là, ça correspond à l'ouverture du parachute. Alors, comment on sait que c'est l'ouverture du parachute? Ben, regardez de combien elle passe, la vitesse. On est un petit peu au-delà de, on va dire, 50. Et quand c'est terminé, on est à 7. Donc, ça veut dire que V passe de 50 mètres par seconde à 7 mètres par seconde. Alors, 50 mètres par seconde, juste pour avoir une idée. Je multiplie par 3, 6, ça fait donc 180 km par heure, qui est donc la vitesse limite, à 7 fois 3, 6, à 25 km par heure. Donc vous comprenez qu'en fait, la rapidité avec laquelle sa vitesse diminue ne peut être due qu'à quelque chose d'extérieur. Et le quelque chose d'extérieur, c'est tout simplement qu'il est en train d'ouvrir sa voile. Oui, phase 2 et phase 3. Donc je continue avec ma phase 3. Qu'est-ce qui se passe sur la phase 3? Ben, la phase 3, vous voyez que V égale constante. Ce qui veut dire que le mouvement est rectiligne et uniforme. Donc, le principe d'inertie est vérifié. Uniquement dans la phase 3. Et la phase 3, c'est quand T est supérieur à 16 secondes. Donc, j'ai décrit les différentes phases du mouvement. Comment varie petit 2? Donc ça, c'était le petit 1. Comment varie la norme du vecteur vitesse entre 0 et 15 secondes? V augmente. D'accord? Ça se voit, hein, on passe de 0 à quasiment 50. Pourquoi V augmente? Parce que il y a une accélération. Quelle est cette accélération? C'est l'accélération de la pesanteur. Je vous rappelle, 9,8 mètres par seconde au carré. Donc accélération de la pesanteur jusqu'à ce qu'il ouvre. À quelle force est soumis le système entre 0 et 12? Vous voyez que si la vitesse augmente, si
V augmente, ça veut dire que le principe d'inertie n'est pas vérifié. Principe d'inertie n'est pas vérifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les forces ne se compensent pas. Les forces ne se compensent pas. Donc, quelles sont les forces? Le poids, je le remets ici, hein, le poids et les frottements. Donc, ça veut dire qu'on a P plus frottement et ça, c'est différent du vecteur nul. Ça veut dire que P est plus grand que les frottements et donc la vitesse augmente. Petit 4, non, ça c'était quoi? Comment varie la vitesse? Petit 3, à quelle force est-il soumis entre 0 et 12? Ben, je viens de le faire, hein. Donc c'est ce qui se trouve ici. P et frottement. Petit 4, lorsque le parachute est ouvert, K égale 10. Calculer l'intensité de la force de frottement à l'instant où le parachutiste ouvre son parachute. Ben, vous avez, si vous regardez bien, P qui est égal à... on l'a pas, P égale mg. Et frottement qui est égal à K fois V carré. Donc on vous dit au moment où il ouvre, K égale 10, et la vitesse vaut combien? 7 au carré. Ce qui fait donc 7 au carré 49 fois 10, 490 newtons. Donc, ça veut dire que P égale 490 newtons. D'accord? Là, je suis en train de faire le 6, là. Hop. Hop, hop, hop. D'accord? Puisque K égale 10 et V égale 7. Or, j'ai fait une connerie. Là, on vous dit l'intensité au moment où le parachutiste ouvre. Donc, la question 4, à l'ouverture du parachute, à T égale 12 secondes, V égale 50 mètres par seconde. Ce qui veut donc dire que les frottements valent 10 fois 50 au carré. Et ça va me faire 2000, alors 50 fois 50 fois 10, 25 000. 25 000 newtons. Qu'est-ce que tu n'as pas suivi? Ça, c'est le 6, là, ce truc-là. On va le mettre de côté. Voilà. Je reprends dans l'ordre, d'accord? 3, c'est ça. Question 4. Lorsque le parachute est ouvert, K égale 10. Calculer l'intensité de la force de frottement à l'instant où le parachutiste ouvre son parachute. Donc, où c'est qu'il ouvre? Il ouvre là, d'accord? Ça, là, ça correspond à ouverture. Donc, quand il ouvre, la vitesse est de 50, ok? Les frottements valent, frottement égale K fois V au carré. Et K vaut 10, on te le dit dans l'énoncé. Donc, ça veut dire que ton calcul, c'est 10 fois 50 au carré. Ça fait 25 000 newtons. Ce qui veut dire que, il y a un carré, alors déjà on te le dit, et parce qu'il se trouve que la vitesse dépend, le frottement dépend du carré de la vitesse, c'est un peu comme ça. On s'est contenté de trouver comment ça variait, ces frottements, et on s'est rendu compte qu'ils varient en fonction du carré de la vitesse, c'est tout. Donc là, il n'y a pas de choses à essayer de déduire, il faut juste le savoir. Il y a plusieurs types de frottements, il y a des frottements qui sont proportionnels juste à la vitesse, donc KV, il y en a qui sont proportionnels à la vitesse au carré, KV carré, etc. Et il se trouve que celui qu'on étudie aujourd'hui, c'est KV carré, donc dépend de la vitesse au carré. D'accord? Donc, au moment de l'ouverture du parachute, la vitesse est ça, K vaut 10, je calcule, les frottements valent 25 000 newtons. Ok, donc les frottements là, pour qu'ils ralentissent, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, les frottements sont bien plus importants que le poids, puisque la vitesse diminue. Donc si la vitesse diminue, ça veut dire qu'il y a une accélération, hop, mettre comme ça, une accélération négative.
D'accord? On n'est toujours pas dans le cas où le principe d'inertie est vérifié. Donc là, effectivement, le bonhomme va tellement vite et ressent un tel frottement que immédiatement sa vitesse, ben, vous voyez, hein, c'est de 12 à 16 en 3 secondes, en une seconde, il perd la moitié de sa vitesse. Simplement parce qu'il y a une accélération négative, donc une décélération, un ralentissement qui est hyper important au départ. Et au fur et à mesure que la vitesse diminue, ben, le frottement diminue. Quand la vitesse ne vaudra plus que 20, la vitesse ne vaudra plus que 20 mètres par seconde, le frottement vaudra 10 fois 20 au carré. Donc l'intensité diminue avec la vitesse. D'accord ? Donc la question 3, oui, entre 0 et 12, c'est le frottement et le poids. C'est les deux qui sont là. Attends. Ça. P et frottement. Et de 0 à 12, P ne bouge pas, c'est toujours le même. Par contre, les frottements deviennent de plus en plus importants. Et si on avait continué, on serait arrivé avec quelque chose, c'est-à-dire il descendra à vitesse normale, à vitesse constante, pardon. C'est ce qu'on avait vu dans la petite vidéo sur C'est pas sorcier. Là, il se trouve que quand il arrive à 50, ben, il ouvre parce qu'il doit être trop bas. Et donc, il ouvre son parachute pour se ralentir et se poser. Donc là, j'ai répondu à la question 4. Question 5. Expliquez le mouvement à partir de t égale 16. Donc, à partir de t égale 16 secondes, qu'est-ce qui se passe? V égale constante. Donc, ça veut dire MRU. Ça veut donc dire que P égale frottement, puisqu'il n'y a que ces deux forces-là. D'accord? Alors, V égale constant, donc c'est 7 mètres par seconde. Et donc, on vous demande dans la question 6, si K égale 10, calculez frottement. Donc, vous faites 10 fois 7 au carré, 490 newtons. Donc, vous voyez que ces frottements étaient de 25 000 newtons au départ et sont à 490 newtons quand il va se poser sur le sol. Donc là, vous comprenez un truc, c'est que le système mécanique, c'est-à-dire l'aile, l'espèce de voile, doit absolument résister au niveau des tringles. Il ne faut pas que le tissu se déchire. Donc, la résistance de cette voile doit se vérifier au départ. C'est là qu'on a une force la plus importante parce que vous ouvrez une aile alors que la vitesse est grande. Donc, la tentation de déchirure est importante à ce moment-là. Quand la force n'est plus que de 490 newtons par rapport à 25 000, là, il n'y a plus de souci. Là, les efforts sur la voile ne sont pas importants. Mais c'est au moment de l'ouverture que les efforts sont les plus importants. Donc, je continue mon truc. Si on a un mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire que P égale frottement, et donc égale à 490 newtons. Seulement, P, c'est quoi? C'est mg. Donc, m, la masse du parachutiste, parce qu'on pourrait la trouver. Nathan, on n'a pas la masse du parachutiste. On va uniquement la déterminer à partir du mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire à partir du moment où les forces se compensent. Donc, elles ont la même intensité. Et comme on peut calculer les frottements parce qu'on a la vitesse et l'expression kv carré, on en déduit le poids, et à partir du poids, on en déduit la masse en disant que ça fait 50 kg. Titouan. C'est Titouan qui faisait du parachutisme. Non, je plaisante. D'accord? C'est bon? Compris? Pas compris? Donc, je répète. La force dépend. C'est extra de faire du parachutisme, mais oh. La force dépend de la vitesse, la force des frottements. Comme la vitesse est variable, l'intensité de la force de frottement est variable elle aussi. Le seul endroit où on puisse avoir une égalité entre les forces appliquées, c'est-à-dire entre P et les frottements, c'est quand on a le mouvement rectiligne et uniforme. Donc ça, c'est le seul endroit où l'on puisse calculer la valeur du poids et donc de la masse. Parce que sinon, là, les frottements sont plus grands. Au départ, au tout début, là, c'est le poids qui est plus grand. Au début, hein, donc accélération, ça veut dire que P est plus grand que les frottements. Et c'est pour ça qu'il accélère. Voilà.
Compris, compris. Bon, c'était pas super balèze. Hein. Et j'arrive au QCM. Nickel, nickel, nickel. Donc, QCM. Qu'est-ce qu'il me dit le QCM ? Il me dit... Alors, c'est bien parce que ça va me permettre de commencer, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas la semaine prochaine, le chapitre suivant. Alors, première question. Si le vecteur vitesse d'un système varie entre deux instants, les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Les forces ne se compensent pas, les forces sont négligées. Alors, si V varie, ça veut dire qu'il existe une accélération. C'est ce que ça veut dire. D'accord ? Donc, s'il existe une accélération, ça veut dire qu'il y a des forces. Donc, force négligée, pas possible. Est-ce que les forces se compensent ? Non. Parce que si les forces se compensent, c'est le principe d'inertie. Donc, V constant. Ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas possible. Et c'est donc le B. Petit 2. Lorsqu'un système est en chute libre, le poids est compensé par une autre force. Le poids ne s'applique pas, seul le poids s'applique. Alors là, c'est une question de définition. Quand on parle de chute libre, le parachutiste de tout à l'heure, par exemple, n'était pas en chute libre. Parce que une chute libre, c'est seul le poids s'applique. Et ça, c'est une définition. Définition. D'accord ? On parle d'une chute libre quand la seule force qui s'applique, c'est le poids. Troisième chose, un système tombe en chute libre à la surface de la Terre. Son mouvement est rectiligne accéléré, son mouvement est rectiligne uniforme, son mouvement est rectiligne décéléré. Bah, s'il tombe à la surface de la Terre, donc pas sur la surface, mais vers la surface, vous devinez bien que, étant donné qu'il est en chute libre, il y a juste le poids, donc sa vitesse ne sera pas constante, donc il n'est pas uniforme, rectiligne a priori. Est-ce qu'il va être décéléré ? Ben non, au contraire, il va accélérer. Donc c'est le A. Petit 4. Le système représente les forces exercées sur un système ci-dessous, F1, F2. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors vous voyez juste que, je l'écris là, F1 plus F2 égale vecteur nul. Donc pour nous, ça veut dire que les forces se compensent. Les forces se compensent. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Deux possibilités, soit immobile, donc c'est juste, Francisco, c'est ça, soit rectiligne uniforme, circulaire, pas possible, rectiligne accéléré, pas possible. Conclusion, ça peut être que le B. Principe d'inertie, dans le modèle du point matériel. Là, il faut vous rappeler ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que quand j'étudie, par exemple, imaginez que je prenne cette calculette et que je balance la calculette dans la salle, cette calculette, pour moi, c'est uniquement un centre d'inertie. Ça veut dire que tous ces mouvements-là, moi, je ne les vois pas. D'accord ? Ces mouvements existent parce que la calculette est un solide. Si la calculette est un point, le point, il ne peut pas tourner sur lui-même. Donc, tout ce qu'on a fait, nous, en méca cette année, c'est uniquement de la mécanique du point. Donc, on peut simplifier la représentation du système par un point. Ben oui, c'est ça. Le point matériel est caractérisé par sa taille en mètres. Ben non, parce que par définition, un point matériel n'a pas de dimension. Si vous dites, vous prenez le point celui-là, là, il n'a pas de dimension. Alors vous allez me dire, mais si, on peut le mesurer avec une règle. Oui, mais parce que c'est la représentation du point que vous mesurez. Le point, dans sa modélisation, n'a pas de dimension. Le point matériel caractérisé par sa force en newton, c'est pas ça. Petit 2. Lorsque les forces se compensent, cela signifie que leurs points d'application sont identiques. Non, absolument pas. Elles ont même sens, même direction. Ben non, pas du tout. Parce que sinon, elles ne peuvent pas se compenser si elles ont la même direction. Leur somme vectorienne est nulle. Oui, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Petit 3. Si deux forces exercées sur un système se compensent, alors ce système peut avoir n'importe quel mouvement. Non. Il peut avoir
un mouvement rectiligne uniforme ou être immobile. Donc, n'importe quel mouvement, pas possible. Un mouvement rectiligne accéléré, pas possible. Peut être immobile, oui. Et dernière chose, si un système est en mouvement rectiligne accéléré, les forces se compensent? Ben non, justement. Si le mouvement est accéléré, elles ne se compensent pas. Les forces sur lui ne se compensent pas, oui. Nous ne pouvons rien déduire sur les forces de ce système. Si, on peut déduire qu'elles ne se compensent pas. Voilà, donc là, j'ai terminé le chapitre 13. Alors, chapitre 13 terminé, je vous avais dit, on va peut-être faire deux choses, c'est qu'on va planifier un devoir quand même. Hein. Donc, ce devoir, ouais, j'aimerais bien le faire la semaine prochaine. Donc, devoir une heure. Il faut quand même faire un devoir qui tienne un peu la route. Je vais faire ce devoir donc mercredi prochain. Donc mercredi prochain, nous serons le. On est où là ? On sera le 31 mars sur le chapitre 13. Sous-entendu le 12 avec, parce qu'il y aura peut-être encore des calculs de vitesse, des choses comme ça. Mais il y aura beaucoup de choses sur les forces, sur des projections, etc. etc. D'accord ? Alors, j'ai mis une heure, je ne sais pas si je vais faire une heure, mais en tout cas une demi-heure, c'est sûr. Mais partez sur le fait que je fais un devoir d'une heure mercredi prochain. Donc on parlera du conseil de classe un petit peu avant, ou en SNT, on verra. Mais en tout cas, il faut que je fasse un devoir d'une heure. Voilà. Donc ça c'est fait, maintenant ben, je vais commencer à aborder très rapidement, rapidement, le chapitre suivant. Alors, le chapitre suivant, vous vous rappelez qu'on est passé du chapitre 6, je crois, ou 7, directement au chapitre de méca. Là, il se trouve que je continue. Okay, on continue à faire un petit peu de physique parce qu'on a fait quand même beaucoup de chimie en début d'année. Et là, on aborde quelque chose qui est intéressant et qui n'a strictement rien à voir, quasiment rien à voir, je vais dire, avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et ce chapitre traite de l'émission et la réception d'un son. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, pour vous d'assez neuf. Vous n'avez pas, comment dire, fait de cours sur le son normalement au collège. Donc là, on va aborder la notion de son. Alors, il est clair que je vais commencer, je vais juste en dire deux, trois mots, hein. Je ne vais pas trop en parler parce que l'objectif, c'est de faire des manips. Donc ces manips, on les fera la semaine prochaine. Parce qu'il faut que j'avance dans le programme, hein. Je peux pas. Je voulais faire, vous savez, je vous avais dit que je voulais faire un truc sur le satellite, sur le mouvement de satellite. Alors je sais pas. Peut-être que je vais le faire quand même parce que c'est quand même intéressant. On verra, d'accord. Ça veut dire quoi si? Qu'est-ce que vous quand vous me dites si là, Johan et Laura? Qu'est-ce que ça veut dire si? Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai dit un truc et vous avez dit si. En tout cas, première partie, émission. Donc, on va parler de l'émission, de la propagation. Ah oui, pardon, ok. Ah, vous avez fait des trucs sur le son. Oui, je n'avais pas compris. Très bien, mais écoutez, ça va nous permettre d'aller un petit peu plus vite. Bon, on va faire peut-être des choses qui sont un petit peu plus complexes. Donc, voilà, on va parler notamment de spectre, vous voyez, des choses comme ça. On va parler de niveau sonore. Donc là, on va parler de quelque chose qui s'appelle des décibels. Donc voilà. Alors, même si vous l'avez fait, je pense que vous l'avez fait peut-être avec un petit peu moins de formalisme mathématique. Et de toute façon, tout le monde ne l'a pas vu. Donc là, de quoi on parle au début ? L'émission. Qu'est-ce que c'est qu'un son ? Le son, c'est une vibration. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui vibre ? Alors ici, par exemple, vous avez une tige métallique qui vibre. Là, pendant que je vous parle, le son
qui sort de ma bouche, c'est une vibration de ce qui s'appelle les cordes vocales. Donc ces cordes vocales vibrent et produisent un son qui correspond à une suite de sons que vous identifiez comme étant un mot, plus tard une phrase. Donc, vous avez la vibration d'un diapason, ça on le verra en classe, vibration d'une corde de guitare, des ailes d'un oiseau, parce qu'on entend l'oiseau qui se déplace, des feuilles d'un arbre, donc il y a des quantités d'objets qui, en se déplaçant, provoquent un son. Ok ? Très souvent, le son est de relativement faible intensité. Et donc, le souci, c'est qu'il faut absolument avoir une caisse de résonance. Donc, notre caisse de résonance, la caisse de résonance humaine, elle est où ? Ben, c'est la bouche. Les cordes vocales, créent une vibration sonore et votre bouche est la caisse de résonance. Alors, vous verrez, parce que cette expérience, je vous la ferai la semaine prochaine, que en faisant vibrer de la même manière, enfin, on fait vibrer un diapason, on n'entend rien, on le pose sur une caisse de résonance, on entend. Et donc là, le souci, c'est que la plupart des instruments de musique se retrouvent face à la même problématique, c'est-à-dire ne sont pas audibles, on ne les entend pas. Et si on ne les entend pas, le seul moyen, c'est d'y associer une caisse de résonance. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le piano, la caisse de résonance, c'est le bâti, si vous voulez, le système dans lequel on a toutes les cordes tendues. La guitare, la caisse de résonance, c'est ce qu'on a, ce qu'on tient dans les bras. Le violon, pareil. Donc, tous les appareils ont une caisse de résonance. Enfin, la plupart. Il se trouve que il y a des instruments qui n'ont pas de caisse de résonance. Alors, je vois Titouan qui dit cage thoracique et le crâne. Le crâne, c'est une caisse de résonance pour toi. C'est-à-dire, c'est le crâne qui permet d'entendre quand tu parles. D'accord ? Mais ça, on le reverra. Quand vous discutez, quand vous dites quelque chose et que vous vous entendez, le fait que vous vous entendiez, c'est pas parce que le son qui sort de votre bouche arrive jusqu'à votre oreille, c'est parce que les cordes vocales font vibrer de l'air qui fait vibrer toute la boîte crânienne et notamment le tympan. Et donc, la vibration du tympan par la vibration des os se traduit par un son, ce qui fait que on s'entend, alors qu'en toute rigueur, on ne devrait pas s'entendre. Alors, tu as raison, Théo. Exemple d'appareil qui n'a pas, d'instrument qui n'a pas de caisse de résonance, par exemple le triangle. Et le triangle, vous savez bien que le triangle n'est pas réputé pour l'intensité sonore qu'il est capable d'émettre, tout simplement parce qu'il n'a pas de caisse de résonance. Donc, la caisse de résonance, c'est simplement amplifier l'impression sonore qu'on a lorsque le son est émis par une vibration. Ça, c'est pour l'émission. Donc, je vous ferai cette petite manip. Maintenant, si on parle de propagation, comment le son se propage ? Alors, première chose à dire, c'est que pour se propager, le son a besoin de matière. Donc, ça veut dire que pas de propagation dans le vide. D'accord ? Pas de propagation dans le vide. Parce que le vide, par définition, ne contient pas de matière. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Quand ils enregistrent en studio, le micro est orienté vers le torse, le son est plus grave, mais s'il l'oriente vers la bouche et la tête, il sera plus clair. Ah, ça, tu vois, ça c'est le genre de détail technique que moi, je ne connais pas. Après, il doit y avoir des raisons, hein. Je ne sais pas. Je ne peux pas commenter ce que tu dis, certainement. On verra que j'essaierai de vous ramener en TP un micro et on enregistrera un son en micro et vous verrez qu'on peut enregistrer un son et l'analyser puis savoir exactement à quelle fréquence on parle, c'est-à-dire faire un spectre audio de votre de ce que vous dites. Ah ben tiens, je suis bête, attendez. J'ai, je ne sais pas où il est, ici, non, pas ici, ici, non, pas ici, ici, pas ici, ah, où c'est qu'il est mon Fifox ? Hein ? J'ai plus mon Fifox, parce que lui, on va entendre, ah, le voilà, ici. Donc, toujours le même, hein, d'accord, Fifox. Donc, si je suis sur
Corrélation audio. Donc là, je parle dans le micro, hein, j'appuie sur ici. Hop. Ah Donc là, vous avez le profil. Donc là, il est en direct, d'accord? Ce qui veut dire qu'il m'enregistre le profil en abscissial temps. Et en. Alors, je vais essayer de faire une note et de l'enregistrer, d'accord? Et vous allez voir qu'il va me donner la période et la fréquence en hertz. Ah, c'est pas vrai. Ah, voilà. Je sais pas si vous voyez, si c'est net. Voilà ce qu'il dit. Il dit que la période du son. Donc, vous voyez, déjà, on parle de période. Ça veut dire quoi, période? Ben, ça veut dire que le truc se reproduit. Donc là, on va définir la notion de périodicité. C'est la première chose importante quand on analyse un son. Ensuite, je me retrouve avec un profil. Et ce profil, vous voyez qu'il y a toujours une espèce de pic là. Donc on mesure la période, c'est la distance, donc la durée, entre deux pics. Ça fait 7,80 millisecondes. Et donc là, j'ai parlé, si vous vous rappelez le son, j'étais à 100, à peu près 128 Hz. Donc il me dit que c'est un Do 2. Si je fais la même chose, donc 128 Hz, ok, je vais essayer de faire un truc assez aigu. Ah, bah, tu ne vas pas y arriver. Je vais le faire en i, ça sera mieux. Ah, pas mal. Bon, je suis désolé de vous casser les oreilles, hein, mais voilà, c'est pour la bonne cause. Vous voyez qu'on arrive à faire de belles choses. Hein. Non, non, c'est bien de ne pas juger. Mais après, voilà, je voyais que je paye de ma personne pendant mes cours puisque je fais des expériences moi-même. Hein. Donc, là, j'ai une fréquence, j'ai émis une fréquence de combien? Je ne sais pas si vous voyez bien là. Quasiment 1900 Hz. Okay. 1900 Hz, c'est un La dièse 5 ou un Si bémol 5. 5, c'est les octaves, c'est-à-dire c'est les multiples de fréquences. L'allure ici, vous voyez qu'en fait, par rapport à tout à l'heure, le signal est beaucoup plus rapproché. Ça fait que la période tout à l'heure, c'était 7 millisecondes, 7 quelque chose. Maintenant, on est à 0,5 millisecondes. Donc, la période est plus courte, ce qui veut dire que la fréquence est plus grande. Là aussi, il faudra définir la notion de période et de fréquence. D'accord? Alors, ça, c'est par exemple pour une analyse. Vous avez aussi l'intensité sonore. Donc là, l'intensité sonore en décibels. Donc là, vous voyez que si je parle fort dans le micro, voilà, donc il n'est pas étalonné. Vous voyez qu'on était parti, je ne sais pas si vous le voyez bien, on était à moins 60 et là on est à moins 6. Donc ça veut dire que j'ai émis un truc entre moins 60 et moins 6 aux alentours de 54 dB. Ce qui est correct. Sachant qu'au-delà de 100 dB, vous commencez à avoir mal et la voix humaine ne peut pas produire 100 dB. C'est pour ça qu'on a des systèmes d'amplification audio pour les chanteurs, pour les musiciens. D'accord? Sauf pour les gens qui parlent sans système de son. C'est-à-dire, quand il y a un opéra et que le chanteur chante tout seul, sans micro, bah là, il faut qu'il ait une capacité, et donc là, pour le coup, pulmonaire, de manière à sortir un niveau sonore qui soit relativement intense. Donc voilà. Donc, alors, il y a plein de trucs à faire. Le spectre. Donc là, je vais essayer de faire le spectre. Donc je vais ressortir. Mon son I, ok? Donc voilà le spectre. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, donc il me fait la transformée de Fourier. Voilà les données brutes. Donc en fait. Vous avez plusieurs fréquences. Alors on verra que quand on fait un son qui est pur, on a des pics et pas toute une série de pics. Là j'en ai trop parce que mon son il était tout sauf pi et sauf. Trop un clown, Nathan. J'ai pas émis un son pur. Mais donc ça on le verra.
Oh là, je vois qu'il est 1 heure, il faut que j'y aille, moi. Donc, tout ça, je vous le montre, c'est une appli qui s'appelle Fifox, d'accord? Elle est gratos. Vous avez des accéléromètres. D'accord? X, Y, Z. Par exemple, d'accord? Donc, ça, c'est de la méca. Vous avez des trucs de magnétisme, de la luminosité, tiens, voilà. Donc là, il me mesure avec le capteur frontal la luminosité en lux. Donc là, il me dit qu'il y a environ 1300 lux. Vous voyez ici. Si je diminue, je mets ma main devant le système, vous voyez que l'intensité lumineuse varie. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, je ne vous vends pas le truc, hein, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais c'est vraiment drôle et c'est pas mal. C'est pas mal. Quand vous êtes avec vos parents et qu'ils vous disent tu fais trop de bruit, ben vous mesurez l'intensité sonore et vous avez votre niveau sonore en décibels. Voilà. Oui, on me voit dans le reflet. C'est bien, tu fais en plus de l'optique. C'est moi là, tu vois. Ici, là. Bon, allez, et j'ai pas trop le temps de faire le con. Ça me plairait bien, mais il faut que j'aille retrouver vos camarades. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas, je vous le remontre, je crois que c'est là, de voir la semaine prochaine quand on se retrouve. OK? Allez, bonne journée à tous et n'oubliez pas de valider les vœux sur TSO, hein, OK? Bonne journée à vous, à bientôt, au revoir.